Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commander. On est ce soir en live pour du coup un nouveau Duelist Club avec Domino et Spigushe. Bienvenue à vous deux, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ça va, ça va. Comment se passe cette, ce début de soirée? Bah écoute, début de semaine tranquille, on attend surtout la fin de la semaine. Ah déjà? On en est à attendre la fin de la semaine déjà? Ah bah... c'est le moment le plus important pour moi. Du coup, ce soir vous êtes venus avec des petits généraux assez sympas, je dois dire. Vous êtes venus avec Shorikai pour toi, Spigushe, pardon, Domino. Faut que je me réveille aussi. Et toi, Spigushe, t'es venu avec Sophina et Elmar, du coup, les Friends Forever qui ont été révélés pour eux. Comment ça s'appelle, pour Stranger Things, mais du coup voilà, donc Elmar et Sophina. Domino, je te laisse commencer à présenter ton deck. Avec quoi qu'est-ce que Shorikai pour ceux qui ne connaîtraient pas? Shorikai, donc on avait déjà fait un petit topo là-dessus. C'est un général et un deck qui cherche à contrôler la partie, c'est-à-dire à interagir un maximum possible avec son adversaire jusqu'à temps de pouvoir poser une condition de victoire. Cette condition de victoire qui va gagner plus ou moins rapidement. Pour ça, il va falloir faire du card advantage. Le card advantage, c'est quoi? C'est piocher des cartes. Et Shorikai, du coup, remplit tout ça. C'est capable à la fois d'interagir, parce que ça va permettre de bloquer, à la fois de proposer une menace, et à la fois de proposer donc, du card advantage, c'est-à-dire de gagner des cartes. Le deck en entier va du coup être totalement construit dans ce but, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de cartes de petites interactions, en éphémère, notamment, ainsi que quelques rituels. Les éphémères rituels donc, sont pour l'interaction principalement. Il va y avoir aussi de la sélection de cartes. Il va y avoir peu de vraces, mais quelques-unes, un minimum possible. On va avoir des comptes pour interagir avec la pile, ainsi que des conditions de victoire, type Shorikai dans lui-même, mais on peut aussi avoir Emrakul. On peut aussi avoir les Planeswalker qui vont être dans le deck, ainsi que des Manland. L'avantage du pack aussi, c'est que Shorikai, c'est une carte qui est un tout petit peu plus difficile d'interaction que la moyenne, parce que c'est un artefact, donc pas une créature, ce qui est le type de carte avec lequel on interagit le plus, je pense à Magic. C'est du coup le gros avantage de la command zone. Voilà, principalement ces données-là. On a accès au blanc et au bleu, donne quand même une qualité d'interaction et de cartes qui est assez bonne dans le format, ainsi que la possibilité de s'adapter à d'autres packs du format qui sont actuellement forts. On commence à mono rouge grâce à des cartes de gain de vie, et on peut aussi s'adapter à des packs du coup contrôlisant pour le mirror grâce à des cartes comme Emrakul. Et on pourrait même continuer à s'adapter contre d'autres packs. Donc c'est un pack qui est actuellement bien connu, je pense, et qui a beaucoup de possibilités d'adaptation. C'est plutôt intéressant. Très belle explication en tout cas. C'est vrai que le paquet maintenant n'est plus trop nouveau, mais c'est toujours un plaisir de le voir, à l'action. Spigushe, toi, donc du coup, les fameux Friends Forever, de quoi ils retournent? C'est de l'aggro. C'est de l'aggro, okay. C'est de l'aggro, c'est de l'aggro. C'est une... version qu'on avait joué il n'y a pas bien longtemps, c'est le premier live, on a fait Saskia, et donc là c'est la même politique mais avec du noir en moins, et donc du coup on se recentre sur les couleurs, on garde le côté célérité dans la command zone, on part sur une tentative de davantage de pioche. Les deux commandants permettent d'avoir de la pioche un peu plus efficacement que Saskia qui n'en fournit pas du tout. Et entre-temps, on ajoute des découvertes, les cartes qui sont sorties, et on ajoute toutes les cartes qu'on a testées en live et qu'on aime bien. Les créatures qui donnent le Monarque, la Ilia qui est vraiment très forte. Donc on se base sur sur du rose, donc du blanc-rouge, principalement en gardant le vert de côté. Et le contraire de ce qu'on avait fait avec Marath. On avait joué avec Louis. Et on essaie de reprendre un peu tout ça, donc du Marath, un peu, les couleurs, du Saskia beaucoup, vu le choix de cartes, et de l'aggro, parce que il faut qu'on voit, faut montrer que normalement Shorikai s'est censé perdre contre aggro. Donc le deck il se base sur, sur des créatures à 1 mana, des créatures à 2 mana, puis des créatures à 3 mana. On fait créature dans créature dans créature. On... La technique secrète du 90 degrés permet d'attaquer avec et de mettre normalement son adversaire en difficulté. Normalement c'est quasiment sûr hein, qu'il y aura des difficultés d'un côté ou de l'autre. Normalement ça commence par être le problème de Shorikai. Il va avoir du mal à encaisser la pression. Et après, ce sera sûrement mon problème de devoir remettre de la pression que Shorikai aura trouvé un bouton magique qui peut s'appeler Wrath of God, ou des cartes qui vont gagner des points de vie, des cartes qui posent du board. Donc voilà, ça va être un peu le souci que va être rencontré. Donc là, normalement, l'objectif du deck étant de tuer dans les 4-5 premiers tours, ça devrait empêcher Shurikai de se développer et de, comment dire, et de devenir une menace. J'ai une question, du coup, tu as cuté, donc toi, comme tu disais, tu as cuté le noir de Saskia. C'est mieux, c'est plus stable, c'est pour ça que tu l'as fait? C'est une autre vision du truc. Naya aggro, c'est Naya Zo, comme on appelle ça aussi. Ouais. C'est un archétype qui existe depuis quasiment, enfin, depuis très longtemps. C'est la chose qu'on retrouve dans des formats qui ont accès à plus de couleurs et de la stabilité dans la mana base. Mm-hmm. Ça permet de jouer des cartes un peu plus... Comment dire? À l'origine, j'avais fait ça pour jouer des cartes plus colorées. Et en fait, en regardant la liste, eh bien, je joue des cartes aussi colorées. Et donc, du coup, la suppression d'une couleur permet de gagner de la stabilité. J'ai pas besoin d'avoir mes 4 couleurs tour 4 pour faire des trucs. En avoir que 2, donc du blanc et du rouge, et normalement de dérouler quand même le deck. J'ai un général blanc rouge, donc je vais pouvoir jouer le général. Si j'ai du vert, bah, je vais pouvoir faire de la magie avec. Le deck a l'air un peu plus souple sur les couleurs, et donc du coup je devrais avancer plus facilement. Oui, parce que tout à l'heure je disais ouais, Shorikai c'est une menace, ça devient une menace au fur et à mesure, mais c'est vrai que si on m'empêche de si on empêche de développer Shorikai de manière sereine, c'est clair que le deck est beaucoup moins fort. Les parties où Shorikai brille, c'est les parties où justement tu as le Shorikai sur le champ de bataille, qu'il est en capacité d'empêcher ton adversaire d'attendre des points de vie. Sauf que bah, quand ton adversaire joue beaucoup de créatures par tour et de bonne qualité, des 1-1 ça suffit pas. Du coup ouais, c'est sûr que quand ton adversaire fait plus de pression avec des créatures de qualité, comme là bah, Martin va essayer de le faire, normalement, c'est beaucoup plus difficile pour Shorikai de se développer. Ça veut dire que la chose importante, c'est que mes créatures, elles n'ont pas beaucoup de qualité. Elles sont juste là pour s'engager et attaquer. Elles ont des grosses patates, enfin, elles vont mettre des grosses patates, mais il y en a très peu qui intrinsèquement sont excellentes. Ouais. Oui, c'est moins de la qualité, enfin, c'est moins des... C'est pas du good stuff, c'est pas de la qualité pure, mais par contre, en termes de pression, c'est sûr que t'es là. Normalement, c'est censé être peut-être les meilleures créatures pour attaquer. Donc qui gagne selon vous ce soir? Prédiction, on va la lancer. Qui se valorise plus que l'autre? Moi je dirais que sur la consistance du plan de jeu et sur la capacité à mettre de la pression, je mets Martin devant, mais... Ok. Les partenaires devant, Spigushe, les partenaires devant ou le robot devant? Alors, ça dépendra des sorties. Si Naya arrive à se développer assez vite, Shorikai devrait avoir voire aucune possibilité de jouer. Déjà, prédiction lancée pour les gens dans le chat avec cette information. Du coup, voilà, interprétez-la comme vous le souhaitez. Misez, vous avez 10 minutes. On va du coup en parallèle lancer la game. Je rappelle encore une fois que vous pouvez parler, vous pouvez poser des questions dans le chat. Les joueurs ne regardent pas le chat pendant la game. Si les questions sont possibles, peuvent être données, elles ne donnent pas de réelles infos, je les donnerai pendant la game. Sinon ça attendra la fin de chaque partie pour être posée. Et sinon ne soyez pas étonnés que les joueurs parlent et commentent leurs mains, parce que c'est le principe de l'émission du mardi soir. C'est que les joueurs disent ce qu'ils pensent pour que vous puissiez comprendre mieux leur play et la façon dont le deck fonctionne, en tout cas leur deck fonctionne. Comment eux ils le voient en tout cas. Voilà, et sur ce, évidemment, je n'ai pas mis le hashtag, mais je vais le mettre dans pas très longtemps. Vous pouvez évidemment aller sur le site du coup de Spigushe qui répertorie toutes les soirées Duel Commander qu'on fait le mardi soir avec toutes les listes, les vidéos, les joueurs, tout est répertorié, c'est super bien fait, merci encore Spigushe pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site si vous avez besoin d'avoir un récap plus simple que le YouTube, que je vous mets également, comme ça si vous êtes fan des Chroniques du Commander, n'hésitez pas à suivre le YouTube et le Twitch également pour ne rater aucun live ou replay ou vidéo que l'on sort quotidiennement. Cette semaine, je rappelle qu'il y a les tops Duel Commander pour la nouvelle extension Capenna, donc n'hésitez pas à passer pour regarder ça, pour vous donner des petites idées pour monter vos decks. Et évidemment, n'hésitez pas à passer également sur le Discord, faire un coucou, discuter avec les juges, les joueurs, les membres de la chaîne pour voilà, discuter Commander, discuter de vos decks, puis sinon voilà, juste faire un coucou. Et bien sûr, suivre le Twitter si vous préférez, les réseaux sociaux pour suivre toute l'actu des Chroniques du Commander et savoir quand on part en live ou quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Sur ce, on pourrait aller. Hop. Et bah Domino Spigushe, je vous laisse me dire qui a le toss et puis commencer à jouer et bonne partie. C'est moi qui ai le toss. Avec en petite précision 1500 points de chaîne pour Elmar et Sophina contre 20 pour Shorikai. Je vois que beaucoup de soutien en tout cas pour les partenaires ce matin, ce soir. Donc du coup, Domino, tu me remercieras pour les passes de sel tout à l'heure. D'accord, merci. Du coup, retour aux choses sérieuses. Donc j'ai une 1 qui a un défaut léger, mais qui a un correct et une créature incontrable. Ça a l'air pas mal pour mettre la pression. Deck semble pouvoir tenir quelques tours. Et si on perd 98 par 91, 38 divisé par 91, on verrait que normalement ça devrait le faire. Du coup, je vais garder ma main. Moi, ma main, donc il y a 3 terrains, ça c'est cool, mais par contre, le reste de la main, le souci c'est qu'on est sur des drops beaucoup trop lourd pour le match-up, donc des cartes trop lourdes en termes de mana. Et les deux autres cartes jouables, en fait, c'est pas des vraies cartes d'interaction, ça peut rapporter de la tempo, mais c'est pas assez suffisant. Du coup, ça ne va malheureusement pas être gardé. Ça va être un mulligan pour moi. Et la nouvelle main est beaucoup plus intéressante. Là, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir l'interaction très rapide, on va avoir de quoi avancer dans la partie au fur et à mesure. On a peut-être un souci au niveau du développement à cause de la carte que je mets sur le coin. Après, on a une bonne carte pour la suite de la partie. Je pense que la main est quand même assez goldée, on va la garder. Pour le bottom, on va pro. Il n'y a pas trop d'intérêt à retirer ça, je pense. Ouais, on va simplement retirer la carte qui est la moins utile, ou en tout cas comment dire, la moins importante. Et puis go. Et tout ça. 3 jours pour prendre 2. Je vais te proposer Esper Sentinel. Bonne carte de Magic. Vas-y. Oh. Et. Alors. Pas de changement sur le plan de jeu. Un petit peu. Voilà. Land et fin de tour. de piocher, j'ai proposé une phase d'attaque à 1. J'ai pris une phase d'attaque à 1. Et ensuite, j'ai proposé une créature incontrable. Ranger Class. Ah, incontrable, techniquement. Quand tu crois, c'est l'essentiel. Alors ça, le problème de la carte, c'est que ça va devenir très relou avec Ranger Class. J'ai envie que ça arrive. Enfin, Ranger Class plus Esper Sentinel, ça peut être relou. Je pense que je me force pas avec ça. Tu peux publier en plus, s'il te plaît? Je ne peux pas. Dommage pour toi. Je sais. Vas-y. Ok. Du coup, je vais lander et déclarer une fin de tour. Moi aussi, je vais le lander. Je vais pas dire fin de tour. J'ai un choix. Le choix de verrouiller définitivement le partenaire que je vais utiliser pour la game. Ou faire des trucs à côté. Là, je déverrouiller mon partenaire. C'est ok. Ça fait que j'ai une 3-2 qui attaque. En plus, à partir du prochain tour, si je joue plusieurs sorts, ça va devenir compliqué pour mon adversaire. Mais si je verrouille pas mon partenaire, j'ai des plaies qui sont pas forcément non plus de super qualité dans ma main. Qui sont pas super qualité pour ce tour là. Peut-être que le prochain tour serait meilleur. Je pense que juste pour un source de curve, je vais verrouiller mon choix de partenaire maintenant. Je vais vouloir jouer Elmar et tu vas gagner un point de vie. Oui, tu peux le résoudre. Je vais vouloir passer en début de combat. Vas-y. Je vais vouloir te taper avec une 1-1 et une 3-2. Attaquer avec une 1-1 et une 3-2. Et je vais vouloir passer le tour. À la fin de ton tour, je vais faire un blanc, un bleu. Ok. Savoir que tu payes un bleu de plus par contre. Oui, je vais payer le bleu. Ok. Je vais pas te faire piocher. Pas de plus. On va éviter. Alors, je vais prendre. Et je vais prendre. Je pense pas que j'aurai le temps de cycle. Je vais prendre celle-ci. Et vas-y. On peut passer à mon tour. Alors, avant que tu prennes ton tour, Domino, petit rapide sondage sur parce qu'il reste moins d'une minute pour la prédiction, donc n'hésitez pas à prédire si vous ne l'avez pas encore fait. Pour l'instant, Shorikai est donné gagnant à 5600 pincées de sel contre 1500 pour Elmar et Sophina. C'est le retournement de situation incroyable. Finalement tes derniers mots ont bien touché Spigushe. Yes, ça fera plus de perfectible pour moi. Je vous laisse continuer. Aïe aïe aïe. Untap, upkeep, draw. Nice, bonne draw. Ou... On va lander celui-ci. Et déclarer une fin de tour. Je vais vouloir lander. Marie. Bon. Et je vais te proposer un Bloodbraid Elf, tu gagnes un point de vie. Merci bien. Trigger de cascade. Résout ton trigger. Je vais gaster une Mother. Trigger de Elmar. Je vais cibler Elmar pour le dégager et investiguer. Vas-y. Oui. Par contre. Voilà. J'ai un clou. Et je génère pas comme il faut. C'est comme ça que ça se met? Ah si, token. Donc, Mother se résout? Vas-y, vas-y, fait plaisir. Le Bloodbraid Elf se résout également. Je vais vouloir attaquer. Je vais prendre 7. Ouais, j'ai pris 7, je suis 10. Vas-y, tu peux jouer ta Wrath of God maintenant. Hop, du coup. Et juste avant, juste pour gagner, donc la prédiction est finie. Grosse remontada pour Elmar Sophina. 45% contre 55%. Est-ce que Spigushe, tu serais passé vite fait sur le live pour rajouter un petit peu de pincée? Oh non, c'est bon. Pas besoin. Tes défenseurs sont arrivés, c'est bon. Tu peux... okay. Non, mais c'est dommage, j'aurais moins de sel comme ça à la fin du match. Ah, c'est vrai. Ah, peut-être que c'est Domino du coup qui est passé vite fait. Ah, en fait, vous le savez pas, mais je fais exprès de perdre pour gagner du sel en votant sur Spigushe. Voilà. Ouais. Du coup, upkeep. Upkeep, oui. Oh. Alors, on me dit que Grove devrait être dans le deck. Je suppose que c'est pour toi, Spigushe. Bah, je vois Grove, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Ah, ça devrait pas être dans le deck. C'est moi qui lis mal. Ça devrait pas être dans le deck. Pardon. Oh. Merci Zanzibar. Il faut stabiliser ses couleurs. On n'a pas forcément trop le choix dans les stabilisateurs. Nous pouvons mieux filer des points de vie adversaires qu'en perdre nous-mêmes. Non, des fins de tour. Oh. Bah, je vais piocher. Vas-y. Ah, ça me gêne. Bah, dans tous les cas, perdre des points de vie, c'est quand même pas fou. Je pense que dans les miroirs d'aggro, je préfère filer des points de vie à mon adversaire. C'est comme l'anticipation de taper plus vite et plus fort que mon adversaire. Donc même si je suis devant, le moment où je passe derrière, si j'ai le malheur d'avoir perdu trop de points sur mes cartes, je pense que je vais pas être très bien. Ouais, je crois que ça va être ça, c'est ça. Entre temps, je réfléchis à mon play. Parce que j'ai bien envie de profiter d'Elmar. J'aimerais bien remettre un clou. Mais il faudrait que je le fasse en main phase 1. Pour être sûr que les bêtises de ça. Le Cryptic Command ne bounce pas Elmar, par exemple. Ou que ça contre maintenant et qu'il puisse me développer mieux tout à l'heure. Et c'est assez compliqué parce que. Si je prends. La technique voudrait que j'aggro d'abord, voir ce qui se passe. Parce que mes créatures elles m'aident pas à me développer. J'ai pas de célérité dans la main, donc ça ne sert pas à grand chose de le faire maintenant. Mon adversaire a pas les Shorikai, donc a des cartes à jouer. Même que le mieux c'est même juste d'attaquer et de dire comme tour. On va commencer par l'attaque. Je te propose de prendre 7, amicalement. Amicalement, te proposer de rester en début de combat. Non, c'est pas amical ça. Et cryptique. Cryptique draw, bien sûr. Ouais, c'est très dans ta patte, ok. Bah, bien. Ouais. T'as pioché une carte. C'est vrai. Et quelle carte? Main 2. Vas-y. Que je vais choisir pour attaquer. Vas-y. Et là, avec cette information en plus... Je pense qu'il faut garder... Je vais te proposer une écharpe. Vas-y. Et je vais essayer de reconfigurer mon écharpe sur Esper Sentinel dans le tout. Oui. Donc ce play a plusieurs avantages, c'est que je prends passivement de l'aggro et que si je me fais brasser, j'ai toujours une bête sur le board. Pas une bête trop dégueu, il y a des trucs à manger dans le cimetière, donc il y a de l'interaction possible et souhaitée. Il y a juste le... Non, il n'y a pas de problème, je peux juste me faire boomerang ma carte, mais... c'est ok. Vas-y. C'est vrai que j'aurais pu jouer 2 spells pour dégager cette Mother, mais bon. C'est vrai. Mais reconfigure, je pense que c'est mieux. Ça nullifie un peu ta brasse quand même, alors que de taper Mother, ça sert à rien contre la brasse. Land. C'est simple. Et donc du coup, de mon côté, la grande difficulté, c'est de gérer l'aggro avec le minimum de board possible pour pas que les bras soient vraiment un problème. C'est pour ça que j'ai pas forcément utilisé mes cartes de ma main et que j'ai deux spells pour protéger un peu, enfin pour virtuellement protéger mon board. J'ai de quoi mettre quand même pas mal de pression. Il y a combien de permanents? Il y a un permanent, il y en a deux dans les cimetières de permanents, donc je vais avoir 3 créatures à 3 de force qui vont attaquer. Et qu'au pire, Mother peut attaquer. Et du coup, ça ferait 10, c'est létal. Ouais, donc non, c'est bon. Il va falloir ça jouer sur les cailles et faire un 1, donc c'est bien. Ouais. Pas trop mal comme ça. Nul, ma vie. Ma vie est nulle. C'est ce qu'on disait, hein, c'est que le but du jeu, c'est peut-être mettre de la pression suffisante pour pas que tu puisses jouer sur les cailles. Totalement. C'est une horreur. Là, si tu joues défensif, tu perds. Si tu joues agressif, tu perds. Donc ça devrait ça. Enfin, tu perds, je sais pas, mais t'es. T'agresses un peu, sinon tu vas avoir du mal à revenir à la partie, mais c'est bien placé quand même. C'est bizarre ce que je vais faire, mais vas-y, entre nous. Sur la Lion Slash. Tu veux avoir une réponse? Vas-y. Quoi que tu veux, est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'ai envie de toucher un land? Je récupère la Lion Slash. Hein. Ouais. Tu seras full cap, dans tous les cas je draw. J'ai pas de réponse. Ah ouais, mais du coup, je prends toute ma pression. Est-ce que j'ai envie de t'exiler un truc? Ouais, je vais t'exiler un truc quand même. Je vais fetcher. Ouais. Dans Savane. Mm. Parce qu'en fait, je sais pas si tu Mystic Sanctuary, mais je vais t'enlever ton Cryptic Command au cas où. Et Ouh, je te passe une copie de Lion Sash et je détache le Mina pour le mettre en exil. Et on est sur une fin de tour. Non, j'ai une draw. Oui, excuse-moi, tu as ta draw et on est sur une fin de tour. Je draw. Oh, vas-y. Ah, ça c'était l'ajout de dernière minute. Dans la liste normalement qu'on a mis en début, il y avait une forêt de plus. Je joue parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais 55% de mes sources qui étaient vertes et seulement 27% de mon deck non terrain qui était vert. J'ai dû faire une modif d'urgence pour pouvoir jouer mes cartes. Et donc si je joue deux sorts, je peux dégager une créature. Deux sorts, je peux tuer. Oh, j'ai besoin. Le pro... Ah si, si parce que... Ça là-dedans. Je mets ça là-dedans. Hein. Je m'en viens. Mais ça, dans le temps, je peux pas avec. Réflexion intense de la part du joueur français. Le sort, je peux protéger mes deux créatures à 3 de force avec Mother. Ça, je suis sûr que tu connais ça. Ah, cette Ranger Class, ça va totalement bien ici. J'ai pas pioché de quoi augmenter les dégâts. Je chercherai pas à piocher avec ce clou pour voir ce qui se passe. Je vais pas piocher. Bon. Je pense que d'abord. Ok. Et c'est jouable niveau mana, donc j'ai plus une carte. Ok. Pas d'informations. C'est un play. C'est intéressant. Mais c'est pas trop haut de faire ça. Tu gagnes un point de vie et je... Le Chain Lightning, ton... Non, tu peux le détruire. Allez, bah, pas. Est-ce que tu payes 2 rouges pour le copier? Je ne peux pas. Ok, on oublie souvent cette ligne de texte. Je vais... C'est tout ce que je vais faire pour l'instant, je vais t'attaquer. Vas-y. Je vous de prendre vite. J'ai pris vite. Tu es à 3. Oui. Et en main phase 2, je vais jouer une Talia, c'est mon deuxième sort du tour. Je vais dégager Mother et je vais enquêter. Vas-y. Alors, je passe un truc plutôt comme ça. Et je vais lander un triome, un jardin de Vetmir tapé. Vas-y. On a des bons top decks. Elmar alerte, ça ne me sauve pas. Si tu fais une phase d'attaque, sans rien jouer d'autre. La Mother on board, ça tue ce que je veux faire. Tous les cas. Ouais. En gros, au tour précédent, j'aurais peut-être pu faire. J'aurais pu ne pas jouer cette identité et jouer ça à la place. Pour essayer de bouncer des créatures. Le problème c'est que je bounce des créatures célérité. Les trucs de... qui avaient bien avec l'identité fracturée, c'est que je pouvais peut-être développer Snapcaster. Et ça, ça plus cryptique, ça m'a acheté un tour de plus. Après c'était assez téléphoné que du coup je voulais me gérer ton lion sage, donc il y avait quelque chose dans mon cimetière que je voulais protéger. C'est le problème du move. Après j'étais extrêmement derrière et la main que j'ai gardée, elle a pas fait trop de belles choses. En même temps j'ai gardé une main qui était assez heavy en land. Ouais, je sais pas. Moi je me commit sur Elmar tour 3 parce que j'ai Bloodbraid Elf en main et que ça me fait mes deux spells direct. Ouais. Ouais t'as raison. Hein. Il y avait un plan où je développais un board plus lentement avec mon Gexdrinker. J'ai un Gexdrinker en main où je pouvais directement le rendre protégé contre les instants. Le poser et full tap pour juste loquer à la place de Bloodbraid Elf. Et ça avait l'air bien aussi comme cette plateforme. Mais je pense que ça... Mais c'était bien, les deux étaient enfin, moins mal. Il n'y avait plus que la Vrace qui te sauvait sur cette carte là. Ouais, surtout comme j'avais déjà payé 4, j'étais tour 4, donc si je passais tour 5 avec un land, j'avais une 6-6 indestructible, enfin, un 6 protection contre tout, tu avais beaucoup de mal à interagir avec. Mais du coup, non, je pense que c'est pas trop mal. Bah, du coup, on va devoir passer à la 2 si tu conseilles. Ouais. Je pense que Gexdrinker en plus, post Wrath, c'est plus intéressant. Enfin, c'est quand même. Oui, aussi, il a quand même de la bonne value, j'aurais déjà plein de mana. Tu vas te commit sur un truc, j'aurais plein de mana, je préfère des trucs. Je te laisse commencer. Ouais, sans difficulté, je prends le play. J'aurais pu développer Shorikai plus tôt aussi. Pas sûr que... Tu m'aurais fait piocher plus de cartes que tu aurais pioché de cartes. Du coup, cette main. C'est... elle est jouable. Clairement, elle est jouable. Par contre, c'est pas très interactif. Pas assez, peut-être. Je la mulligan. Moi, j'ai la fameuse technique de aggro mana full en départ, donc je mulligan aussi. Ok. Ma nouvelle main est bien meilleure, je pense. Le bottom, ce qui est pas utile par rapport à ce que je peux faire. Je bottom le drop lourd. J'ai plus envie d'avoir une interaction pour tout ce que tu fais au fur et à mesure. En général. Et du coup... Keep la dust. Moi j'ai un petit souci de mana base, encore une fois. Je pense que 40 landes c'est pas assez, contrairement à ce qu'on peut penser. J'étais à 42 avec Saskia et je m'en portais vachement bien. Je sais pas pourquoi j'en ai cuté 2. Enfin, je sais pourquoi je les avais cutés, parce que j'ai enlevé une couleur et je me suis dit que j'avais besoin de moins de terrain pour stabiliser. Du coup, j'ai quand même moins de terrain en main de départ. Et moins de terrain en main de départ, ça force des choses. Là, par exemple, en cette main-là, j'ai pas le séquençage que je veux. Il y a deux cartes qui sont mortes. Est-ce que si j'étais en mulligan 5, je garderais cette main? Je pense que même en mulligan 5, je la garde pas. Je la garde pas. Et 1 pour 1. J'ai pas de tour 2 pour l'instant, sauf si je tape avec un land. J'ai une draw de plus que tout à l'heure. Une draw de plus. J'ai deux... Oh, j'ai deux spells pas bien, mais c'est pas grave, ça, ça peut partir en dessous. Puis pas bien, il y a un éventail de définition assez large. En vrai, pour le, il y a quand même deux cartes qui sont assez excellentes. Trois même. Je pense que je vais. Voilà, je vais mettre ça dessous. J'ai l'impression que ça fera moins de choses que l'autre dans le match-up. Je vais mettre sur mon deck. Et je vais garder cette main. Ok. Eh ben écoute, moi ce sera land et go, je vais y aller. Ok, tu connais notre ami Esper Sentinel? Je souhaite le présenter encore une fois au cas où. Ouais, il paraît qu'il est sympa. Ouais, bah du coup je te le présente même sur un plateau. Cool, c'est beau. Et tu peux y aller. Ok. Et... je vais rien faire. Tap, petit draw. Et... Pain. Et gentiment fetch. Aller chercher. Ah. Et ça. Je pense que ce dont j'ai peur, c'est plus les drops. Que c'est drop 2. Du coup, je vais Fancy Nice en payant pour cette 3 cm. Bah, à grand regret, elle quitte mon board, hein. Sans doute. Ah. Voilà. Merci. Bon tour. Ouais, là, du coup, on atteint le sommet de. Je pensais... Oh, quoique. Je vais lander un Den of the Bugbear et je vais te proposer mon sauveur Prismatic Ending sur ton Once Nice. Je laisse désattacher l'autre. Et je vais te proposer un Légion of List. Oh. Directement dans les dents. Et... aïe. Ouais. Pas la séquence préférée de ma vie. Je peux patienter. Fin de tour du coup. Pour l'instant t'as une cloque assez légère. Plus beaucoup de cartes en main. Donc là j'ai l'instruction de situation délicate du joueur aggro. Il doit jouer ses menaces en célérité. Un adversaire qui sait que j'ai des menaces en célérité. Il le sait parce qu'elles sont en command zone. Est-ce que ce serait pas mieux? Voilà, le défaut cruel de ma main, c'est le manque de land. Qui fait que. Je peux pas la compter pour la magie. Je vais quand même jouer Elmar. Du coup, je vais te proposer. Analyse. Je vais te proposer de piocher une carte. Je vais payer. Oh, tant pis pour moi. Du coup, je proposais de prendre 2. J'ai pris 2. Vas-y. Et... Des interactions pour Shorikai, je suis comment Je passerai fort derrière. Donc, du coup, j'ai pas besoin de jouer autour. Enfin, faut pas que je joue dans ton play. Des points après des interactions, tu dois pas en avoir beaucoup. Avec Louis, on en comptait 7 dans Célestine Agro. Je peux donner une idée. T'as gardé ta main. J'ai gardé un mulligan 6, hein, j'ai pas gardé une main. Ouais. Ouais, bah je joue 4. Je vais piocher une carte. Oui, je ne peux pas payer. Et du coup, j'espère piocher cette Knight of Autumn. Raté. Bon. Raté. Ah, puis c'est même pas long. Du coup, vu que tu veux jouer contrôle, je vais te proposer de jouer une autre créature anti-contrôle. Ouais. Yes. Bien. Et comme j'ai un peu de rouge qui traîne, je vais te proposer une figure. Ouais. C'est en 360. Et tu prends 2. Ouais. Et tu peux y aller. Et on tape un petit gros. Ok. Et... Personne créature à feature, donc en fait c'est à chaque fois. Il est très relou cet Esper Sentinel. C'est à chaque fois par tour. À chaque premier plutôt. Problème des riches. On va faire un coup de Shuriken. Alors ce qui se passe. Et... je vais pouvoir virer ça. Et ça. Prendre un coup comme ça. Sachant que ton royaliste, il donne Fresh Arc Temple et c'est relou contre mon général. Oui. Ah, ton board est vraiment relou. Non. Non. Je me plains, bien sûr, c'est pas vrai. Je prendrai une vice. Pour rouler cette vice. Justement, il paye un de plus. Et de pas donner de cible maintenant. Oui, c'est vrai. Bah du coup, le sort se résout. Quel est ton choix? Bah, vice. Moi aussi. Bon. Ah, c'est intéressant ça. Je vais passer ma figure de 2. Vas-y. Donc maintenant c'est une Sangami Sprite. Ouais. Je vais te proposer une fin d'attaque à 4 qui n'est pas bloquée. J'ai l'initiative et le pigment en plus. Même 2, je vais poser une autre créature anti-contrôle. J'aime ça les créatures anti-contrôle, vous savez. Ouais. Et à toi. Après, j'ai l'impression qu'elles sont bonnes quand même, quoi qu'il arrive. Ah bah, j'ai pas fait le deck pour te battre. Hein. Alors, draw. Ok. Bon, je vais continuer de faire des shorikai en coup de shorikai en sensory speed. Ok. Je vais tirer ça, je pense qu'il ne sert pas à grand chose. Landé. ça. Standard. Trigger. Payé. Ok. Regarde du. Tu sais, me faire piocher changera pas grand chose, hein. Je piocherai juste un land. Je ne veux pas. Je refuse. Ah. Je ne veux pas. C'est bien de pouvoir jouer ça. Hein. Enfin, si j'entre mes sorts, tu pourras pas les contrer. C'est vrai. Ça fait un truc, c'est pas. Là oui, mais les deux autres j'en veux pas. Oh, je sais pas là, c'est drôle. Et fin de tour. Mmh. Intéressant. Ça me refait voir mon play, t'as des manas disponibles, mais en fait je crois que je m'en fous. De toute façon, si je m'occupe de tes manas disponibles, j'aurai plus déjà derrière au niveau mana. J'avance. Je vais te proposer un Pelt Collector. J'ai gagné plus de créatures. Rendu là, hein. Contrôle-moi, vas-y. Yeah. Je paye. Ok. Parfait. Je te pose un Kitéon. Ouais, c'est loin de me plaire, mais ouais. Je vais piloter ce Smuggler Copter pour trouver des solutions. Je vais t'attaquer et te coller 7. Regarde mon Smuggler. Oh, je vais jeter ça. Ah, ça tuait pour de vrai. Moi aussi, je suis déjà. Aïe, aïe, aïe. Et ce sera tout pour le moment. Eh oui, j'ai mis. Ok. Et... On va jouer. On peut jouer ça du coup. Bonsoir. Je vais vouloir passer en début de combat. Et un trigger d'attaque. Donc je vire ça. Et je peux pas. Vas-y, t'es en start combat. Donc je vais piloter ce copter. Et je vais peut-être avoir une réponse. Ouais, c'est ça. Non, est-ce que je peux déclarer mes attaques? Non plus. En fait, faut que je tue ça pour pouvoir bloquer. Faut que je tue ça. Ok. Et... Pour ton loyaliste. Figure. Je vais payer. Il n'y a pas de. Je peux attaquer. Gavé. Ok. Vas-y. Une réflexion. J'ai les deux cartes d'en haut qui permettent de faire les trucs. Ma créature est toujours là. Si elle est plus là, ce sera moins rigolo. Et la carte d'en bas, dans tous les cas, elle est pas trop mal. Je vais mettre un sérieux plan de jeu pour ce tour-ci si jamais je garde la carte. Donc, quel est le plan de jeu que je privilégie? Parce qu'on ne peut pas concilier les deux. Dans tous les cas, je garde à 3 parce que c'est le but de Magic. Si je garde à 3, c'est le but de Magic. Soit la 1, soit la 4 qui part. Ce serait la 1 et pas la 2. C'est la 2 qui part. Ah, toujours la commander qui dit que c'est tellement facile pour le chat de savoir ce que tu dois enlever. Bah, je m'en doute que quand on a l'info sur la main de l'adversaire, c'est facile. Après, mon adversaire avec 3 cartes en main. 3 qui peut toujours se battre. Je pense que je vais rester avec un jeu l'hostile. Je vais pas essayer de forcer les plays. J'ai pas suffisamment forcé ce tour-ci. J'ai suffisamment forcé ce tour-ci. Je vais sûrement continuer à forcer et défausser cette furie. Tu peux bloquer. Bloc. Enfin, tu peux. Ouais, ok. Bloc. Bloc. Double bloc ma figure. Ouais, je double bloc ta figure. En l'état, je n'ai pas d'effet. Moi j'en ai encore. Ouais, ça je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu. Bon, mon smuggler est mort. Ça on en dit. Maintenant, est-ce que je saute quitter? Saute quitter 11, j'ai un Planeswalker. Qu'est-ce qu'il fait le Planeswalker déjà? Alors, est-ce qu'on fait ça? Juste faire ça pour voir ce qu'il fait. On pourra voir. Je peux forcer une créature à attaquer. Je peux rendre une créature indestructible ou je peux le rendre 4-4. Pas trop mal, mais ça me rendra pas mon loyaliste. Ou alors je peux placer mes figures 4-4 pour pas qu'elles meurent. Je n'ai rien à faire. Ok, tu prends un. C'est vrai qu'il a attaqué. Lui. Ça, c'est mouru. Ah non, pardon, il a pas attaqué. J'ai crew avec. Oui. Tu as raison. Je vais te proposer un Gexdrinker. C'est Stonk. Et du coup, je vais le passer tout de suite 4-4. C'est Stonk également. Avec une savane de Papy Brossard, parce que je crois qu'il manque un peu d'énergie. Et tu peux y aller. Ok. Ah, pas de temps. Ok. Save. J'ai besoin de. Je vais d'avoir du choix. Je vais d'avoir du choix. Un coup de Shorikai. Ok. Je peux tirer ça, je pense. Tu as joué lui, tu pourras pas jouer lui. Reste une carte en main. Reste une carte en main. Carte en main. Ouais. Oh, je vais faire ça comme ça. Je crois que ah, c'est moche de faire ça comme ça. Laisse piocher une carte. Ah, je crois que je laisse piocher une carte. Laisse piocher. Ok, du coup je dépose ça. Et je vais te proposer tout de suite anti-brasse. Va falloir que tu payes. Non, je veux pas. Je veux piocher ta carte. Perds ton token. Oui. On est bon. Je fais check. Oui, vas-y. Il manque un point. Je vais... Gracieusement. Ouais, un stamping ground pour bien t'écraser. Hop, et je prends deux plus. Je peux animer mon den et t'attaquer avec. Ça va, une réponse. Piffle l'attaque, participe à l'animation. Bien vu, vas-y. Oh, pain. Coup de Shorikai. Oh. Et. On va virer. Une fois le land. J'ai envie de le voir. Et fin de tour. Faudrait que je te fasse pioncer jusqu'à trouver cette bolt et te tuer. Tu peux animer cette colonnade, je l'ai vue. Ce n'est pas vrai. Ah si, c'est vrai, tu peux l'animer. Possible, possible. Je vais te poser un limon. C'est un limon. Vas-y. Comme je m'en fais, je vais pas prendre de manalique sur ce... C'est un... Un jambon. Et puis de mon côté... On prend tout. Solitude. Aïe 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 aïe. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué et c'est même ingagnable maintenant. Je fais trop d'avantages avec cette solitude qui va me remettre sur pied. J'ai que ton entretien pour trouver une bolt, ça va pas être suffisant. On va enlever ça. On n'a pas le droit de bloquer. On va faire d'état, donc je prends une avec ça, je te serai là. Bon, j'ai une draw encore, vas-y. Alors on demande dans le chat pourquoi tu n'as pas casté ton surgo au tour d'avant plutôt que le dash. Comment ça? C'est une question du chat. Pourquoi j'ai pas dashé mon surgo? Non, pourquoi tu l'as pas casté au tour d'avant? Bah, je l'ai casté. J'ai jamais joué sur Go, c'est la première fois que je le casse sur Go de la game. Depuis le tour précédent, il n'avait pas le mana puisqu'il a... Le tour d'avant, je me suis full tap dans... animation den pour attaquer. Je pouvais le caster parce que j'avais engagé mon moteur 1. Mon moteur 1 était dégagé normalement. Oui, c'est vrai. J'aurais pu le casser le tour d'avant. Et ça n'aurait rien changé. J'aurais une phase d'attaque où j'aurais pris. Ah non, de toute façon, j'aurais pas attaqué, il y avait Colonnade. Donc, non, ça aurait pas changé grand chose. Je vais vouloir manger mon kit. Et du coup, je vais gagner 3 points. Non, c'est la Colonnade qui, de toute façon, dans tous les cas, effectivement, je pouvais le casser le tour d'avant, je devais sûrement le casser le tour d'avant parce que c'était le seul play qui était bien. Mais le. L'outcome était le même. Vu que Domino n'a pas joué son tour, enfin n'a pas joué sur son tour à part activer Shorikai, je prenais Célestial comme Lonade pour bloquer. Et ce tour-ci, je faisais les mêmes choix. Et donc, du coup, c'était le même résultat. Je pense que dans tous les cas, je castais ce Scavenging Ooze au-dessus de ce casse de Elmar. Les Urgos, c'est plus important. Ça n'a pas trop d'importance. Ça, ça en a plus. Je dirais ça. Je vais demander. Je vais faire une phase de Ya. Je prends 3. Je vais pouvoir bloquer, je prends 3. Second main. Cast. Reste ça. Ah. Oui, il est impitoyable. Ouais. Et sur une contour. Chef. Vas-y. Et je vais prendre ce jardin de Jetmi. Jetmir. Les Jets noirs sont en bateau. Ah. Aïe aïe aïe. Eh bien, tu as gagné. Ce n'est pas ce land qui me sauvera. J'ai commencé en death pour ne piocher que ça après. Ça aide pas trop les calculs, mais j'ai très mal joué. En gros, il y a une. T'avais un contre en main le tour où je me full tap pour te tuer. T'as 3-2 ? Non, le tour d'avant. Alors attends, c'est le tour où tu full tap avec. Le tour avant ta passe. Le tour où t'avais Figure of Destiny et tout ce qui m'attaque, c'est ça? C'est ça. Je sais plus, pour le coup. Je vais pas te mentir. T'as la force. J'avais un pli. Force? Ouais, t'as la force en main, ouais. Parce que j'avais Fury, je pouvais pitcher, enfin je pouvais caster Fury gratos en exilant ce Jorgo. Tuer les 3 pilotes, qui pilotaient le smuggler avant de mourir, et qui mettaient smuggler en autopilote. Pour le tour, du coup je te full tapais. Si t'avais une interaction, je faisais quand même mon Gexdrinker 4-4. Dans tous les cas, c'était mieux comme ligne de play. J'avais faux, mais je crois que j'avais pas de carte bleue en main. T'avais Telzen, terrain et Telzen. Et t'as pioché Negate et Vras. Attends, okay. Alors terrain et Tails End, enfin Tails End plus faux, je l'ai eu sur le tour où. Martin a fait Den of Burgir, mais avant j'avais pas Talisman, je crois. Ouais, mais le moment où tu l'as fait. On doit vérifier. J'ai pas imprimé. Moi j'ai imprimé la partie, j'ai imprimé surtout que. Ouais, effectivement, c'est le tour où j'ai pu commencer à bloquer sur tes créatures et ça a changé. Dans ma tête, j'étais là en mode. J'ai mon plan de jeu à base de. Removal plus de double removal parce que j'avais du coup Eganjo et Sword et, mais je suis quasi sûr que j'avais pas Taizen à ce moment. Non, t'avais Eganjo, ouais, pardon. Ouais, c'est ça, c'est Eganjo, Taizen et... Enfin, Eganjo, Force, un land et ouais, ça, Sword. C'est vraiment. Ouais, donc j'aurais dû être beaucoup plus agressif. Bah, nous allons passer à la 3. Les gens qui ont mis 5000 pincées de sel sur toi, et on est pour leur marée salée. Je vais commencer. Alors, ça. Bon, ça peut parler en premier. La main est goldée, je garde. Ah bah, moi, la main est sympa. Je garde. Bon, alors, du coup, je vais pas faire Esper Sentinel, je vais plutôt faire Isamaru. Solide. Je vais y aller. Ok. Ok, ok. Et ben moi, ça va être... Fetch. En Tundra. J'adore. Et... Ah Crab Inspector. Aïe. Une bonne. Ah là 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 là. Ça, ah, c'est du bien, bon ça. Design, tu vois. Ah, c'est bien ça. Comment ça se... Je vais fetcher. Mm-hmm. Dans un plateau. Mm-hmm. Je vais te proposer un petit lion de 3. Mm-hmm. Et un grim. Solide. Je vais y aller. Je vais lander, une tape et déclarer une fin de tour. Je vais vouloir jouer une Talia. Une Talia. Talia. Je vais commencer par Sac Maclou. Ok. Uh-huh. Ok. Ok. De la force. Ok. En pitch en Malek. Je vais t'attaquer avec mon chien et mon chat. Ouais, bah, de toute façon, on va pas l'utiliser. Vas-y. On a pris deux. Ouais. Puis, effectivement, je vais lander un land qui fait du rouge et je vais tuer ton. Allez. Je vais lander et déclarer comme toi. Je vais lander et te proposer Elmar. Alors du coup, si tu castes, t'as ça. J'ai envie de te laisser piocher des cartes. Non. C'est violent comme réponse. Vas-y, gagne 4 points de vie. On perdra 5 après. Et non, Elmar est dans mon cimetière. Non, Elmar est dans mon cimetière. Jamais il va dans mon cimetière. Vas-y. Ouais, on va réfléchir. Je vais lander. Proposer un Shorikai. Ouais. Une tour. Tu vas commencer par prendre 5. J'ai pris 5. Ensuite, je vais faire un rip à part sur ton truc là. Ouais, c'est pas cool. Je vais poser une petite écharpe parce que je comprends pas. Ok. Je vais y aller. Je vais te proposer un peu d'enlightenment. Rien. Et ça, j'en ai pas besoin du tout. Et bien. Et... Bah ouais, vas-y. Ok. Grité sur celui mais... Dans ce cas-là, bah, ça va être land et on va refaire un Shorikai. test. Un tour. Du coup, je vais jouer ça. Ouais. J'imagine. Je vais casser Shorikai, tu peux y aller. Déçu. Déçu. Ok, déçu. Ok. Genre, t'as plus le droit de lander, t'as plus de place pour tes landes. Oui, c'est vrai. Regarde, je vais en faire. Ah non, faut trouver la Spigushe. Du coup, ça c'est tape. Et 1, 3, 4, 5. Je pense que je vais faire ça. Gagner 4 PEV. Quoique. Quelle plus-value 4 PEV ou 4, une 4-3 4-3. Je sais à toi. Comme toi. Giver. Vas-y. Quoi? Genre de choses. Du coup, je vais lander ça. 5. Je vais vouloir animer ça. Ouais. Déclarer une phase de guerre. Avec les deux. Je vais vouloir STP tout le monde. Sure. Ah, tu voulais 4 points de vie chez les autres. Je vais prendre 4. Allez. Et fin de tour. Exilé par contre tout le monde. Oui. Oui. Sure. Je vais faire un Elite Spellbinder maintenant. C'était dur en fait. Bah écoute. Bah, ton Spell Snare il va coûter 3. Ouais. Mettre en exil. Et puis tu peux y aller. Oh, tu peux aller. Ouais, vas-y. Vas-y. Bon, je peux pas bloquer avec. En tout cas, pas ce que je voudrais. Là. Je vais retenter. Hein. Yes, il est là. Je rigole si t'as le dernier. Et que j'ai fait le et que ton précédent, j'aurais dû. Sans comme pied, ça fait ça, ça fait ça. Ok. Ouais, c'est très bien. Tu prends 3. J'ai pris 3. Propose une 4-2. Ah voilà, c'est déjà la princesse. Un tour, je pioche. Et tu peux y aller. Taureau. Ouais. Pas ici, là. Après moi c'est un... Ouais. Un coup de Shorikai. Ok. Et... Oh. M'intéresse plus. Ouais. Je dirais ça. En fait, l'idée c'est qu'il y ait peu de créatures, enfin peu de sorts non créatures, donc logiquement. Ouais, c'est le rapport. Ils sont bien. Les intérêts. Oui, c'est vrai. Un pondeur. Ouais. C'est ça. C'est pas si mal ce panda. Pas dommage pour moi. La question c'est comment il est mieux. Comme ça? Et on va gentiment déclarer une fin de tour. C'est rigolo ça. On met en question beaucoup de choses. Non, rien du tout. Je vais proposer de prendre 3. Rien qui vole pour l'instant. Ouais, j'ai pris 3. Une phase 2, je vais lander. Peut-être chez. Je vais trouver. C'est moins compliqué. Oh, c'est sacré de son truc. Je vais te proposer une furie comme ça, de but en blanc. Je suis sûr que ça me plaise. J'espère que ce scénario sera utile. Oh le taunt. Aïe aïe aïe. Bah ouais vas-y. Là. Je vais vouloir mettre 3 ici et 1 là, de manière assez surprenante. Étonnant. C'est tout mouru. Oh yes. Numéro, s'il te plaît, que j'exile. Oui. Merci. Donc l'exilé. Et fin de tour, la pioche de la princesse. Ouais. Ça fait du taf ce truc. Hein. Comment je me sors de ça? Dis le mec avec un shurikai sur table. Ouais, t'as la même chose qu'un Shorikai, t'as le monarque. Pourquoi t'as pas voulu faire la furie à ta main phase, on demande? Ta première main phase. Pour voir s'il y avait des interactions sur les créatures qu'attaquaient. Parce que je pense que Domino aurait... En fait, sans caster Elmar avant l'attaque, Domino aurait sûrement... fait sa mystique confluence pour bouncer, enfin pour essayer de piocher ou faire des trucs. Et je pense que l'interaction elle serait mieux à ce moment-là pour compenser à rejouer des cartes et pas pouvoir développer d'autres plans de jeu. C'était plus intéressant que d'attendre la fin du tour. Par exemple, s'il y avait 2 bounces, ça aurait été un bounce dans Giver into un bounce dans Elite Spellbinder. Je sais comme ça, je donnais pas mal d'infos et la furie était pas très rewardante dans la situation en fait avant l'attaque. Ouais, ça donnait trop de. Enfin, j'ai l'impression que ça donnait trop d'infos et c'est pas une situation dans laquelle j'ai envie de jouer mes créatures avant d'attaquer vu qu'elles sont pas la célérité. Je préfère que mon adversaire fasse ses choix en connaissance de mon board sans connaître ce que j'ai dans ma main. Ça a pas eu beaucoup de conséquences, ça a pas beaucoup de changements dans l'impact de la partie. J'aurais pas attaqué avec ce captain parce que si jamais je me prends de la gestion sur Giver, il y a toujours Olaf and Giants qui peut aller récupérer le monarque et le monarque récupérer le monarque et me coller 7, c'était vraiment trop dangereux. Oui, tu as ta Vrasse. J'ai ma Vrasse. Maintenant il faut mitiger un tour. On n'est pas trop mal. Là, c'est plus mitigé, là, c'est colmater la brèche. J'en ai dit du mal de cette carte. Ah là là, comme toi. Pourtant, je t'avais entraîné à accepter la carte. Ah, j'en ai dit du mal de cette carte. Ah là là. Mais ouais. Trop. Intéressant ça. Là, j'ai de la... C'est compliqué parce que si je te quitte pas, je me commit, tu vas récupérer le monarque avant de faire ta brasse. Je protège trop le monarque. Là, je te ferai pas de dégâts, tu vas faire ta brasse. Et je vais encore pas de créatures. Avec le peu de ça que j'ai réussi à développer. Là, 3 cartes. Si j'y vais avec 2 cartes. Donc virtuellement je suis attaqué avec une seule créature, si je attaqué avec une créature, pas mais vous les monarques. Ah. Je vais normalement te proposer un Casale Pregnage. Et également de voir... Ouais, Effectuer certainement ça. Tu vas prendre 3. Ok, attends. Je prends pas 3 cartes. Et... Alors bosser joue tout. Je recaille. Non. On va aller chercher un land si tu veux. Si je cherche pas, genre... Enfin, il n'y a pas de shuffle automatique, on est d'accord. Ça. Ok, bah je vais choisir de ne pas prendre de land. Ok. Donc j'attaque avec ce que... j'ai pris 3. Et tu peux y aller. Je vais piocher. Ok. Relou. C'est relou, mais c'est tant pis. Bien. On n'attaque pas parce qu'on n'a pas envie de perdre de points de vie. Encore. Je vais te proposer un Voltaic Brawler. C'est un Voltaic Brawler. Et 2 énergies dans ma pile. Vas-y. Et je vais quand même te proposer ce plan de... Et là. En fin de tour, je vais vouloir piocher. Ouais, tu pioches. Vas-y. On va me faire ça. Je vais le faire avant, je sais pas grand chose. Je vais faire une 2-2 samouraï. Passe, une tape. Bon. Plus un. C'est le monsieur. Et donc l'initiative. Dans des... Je vais me laisser animer ceci. Ouais. Et les deux vont dans 3. Y'a et y'a. On se réfléchit. Vas-y. Je vais bloquer comme ça, je vais prendre 3. Vas-y. 5 et comme ça. Okay. Donc du coup, je voudrais le transformer. Ça se passe comme ça. Fin de tour, je vais draw. Ouais. Et j'ai rien d'autre à faire, vas-y, à toi. Il va se transformer, en passant de vie. Ouais. Son... Là. C'est la nuit, si c'est la nuit. Comme tous les chats. Et je trouve. Monde. Vas-y. Oh là là. Countering en France, c'est quand même un bon carton. J'adore cette carte. Hein. T'as combien de contre en main, s'il te plaît? Plus que 0. Ah, plus que 0, c'est 0 aussi, c'est ça. Hein. C'est mathématicien, toi. J'ai ça. Plus que 0, c'est 0. C'est strictement plus ou égal? Plus ou égal. Bonne réponse. Ouais. Je joue à gros, mais ça veut dire totalement quand même. On engage en lui. Commit ce tour. Elmar. Je vais vouloir tirer fin de tour. Ok. Et du coup. Okay. Ouais. Rien à dire. Ça c'est mon tour. Tap. Top keep. Je vais l'enlever. Ouais. Okay. Tac, on va payer. Alors en vrai, normalement, je le fais pas comme ça. Excuse-moi, je fais l'essuie-glace quand tu aimes. Pas de combat. Je vais animer ça. Place de Ya. Ok. Ah, oh, je suis débile, j'ai oublié. Vas-y, fais-le. Ouais, normalement j'étais censé faire un plus 1 de Wandering Emperor. Vas-y, fais ton plus 1. Oui, tu l'as parti de toute façon. Ok. Excuse-moi. Pas très ouf. Du coup, ça, et il y a sur les... avec les deux sur 20. Je vais fetcher, je passe à 4. Ouais. Je suis trop con, ce fait qui marche pas. J'ai payé mon mana quand même. Je l'ai payé, enfin, tu m'as fait une fleur. J'ai déjà perdu la partie sur le. STP, j'ai pas regardé mon plan. Ok. Donc je gagnais la partie. Et Ganjo, je vais lui coller 4. Ok. Je vais choisir bloquer ton. Également, ok. Du coup, main 2 et fin de tour. Oh. Pardon. Je peux y aller. On va attaquer. C'était 3 dans toi. Dame. Je vais gagner 2 points de vie. Pose un peu la gélère. Deux, 3, 4. Et moi 2. Même laps. Ouais, tu gagnes sur le fait que j'ai ma toundra up, bah, ma taiga up et pas mon plateau up quand je... Quand tu fais fracturer l'identité. T'avais déjà mon gestion. T'avais déjà la gestion? Oui. Ok. Donc, normalement, je perdais pas cette partie. Je pense que tu pouvais le prévoir, la taiga à garder up, ou c'était... Bah en fait, je voulais bait la bolt, mais je pouvais aussi bait la bolt avec mon plateau, ce qui était quand même vachement plus intelligent de ma part, et du coup... Enfin, je pense qu'en papier, je me serais pas trompé. Ouais. Clairement, en papier, je me serais pas trompé. Bah après c'est vrai que sur Cockatrice il y a des trucs en visuel c'est pas aussi clair. Je connais pas mes dessins avec les... Ah mais je suis pareil. Typiquement il y a certains arts sur Cockatrice, genre les arts de Secret Lair, ça me fait totalement zapper. Bravo Domino en tout cas pour ta victoire. Bah merci. Après la 3 j'ai eu un peu de chance sur le top deck sur ma première draw, je roule la force of will, c'est-à-dire que ma main elle devient beaucoup plus simple à jouer. Sinon... Bah, enfin, je pense quand même que t'es un peu plus favori que moi sur le match-up, Martin. Bah, surtout quand je joue bien. Est-ce que dans le chat, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions sur le deck, la partie, les joueurs, voilà, sur des choses, n'hésitez pas dans le chat. Est-ce que vous avez des choses à dire sur vos decklists, sur certaines cartes de la soirée? De mon côté, Légion de la liste ne serait pas dans le deck s'il n'y avait pas Shorikai dans le metagame. Parce que c'était pas assez impactant, enfin c'est pas assez bien en célérité pour attaquer, sauf que bah, Shorikai ça met des tokens et du coup c'est pas mal. Redis-moi la carte. Légion de la liste. Ma créature qui empêche mes créatures d'être bloquées par des tokens. Un petit gobelin, soldat. Et Shodan of the Scald, on en avait discuté avec Louis quand j'ai montré la decklist ce dimanche à l'entrée en tournoi moderne. Il m'a dit qu'il était pas très convaincu de la carte et je suis assez d'accord avec lui. Une carte, si j'avais eu plus de temps pour. Enfin, si j'avais eu du test avant de jouer la decklist, parce que je l'aurais écouté assez vite. J'ai quand même gagné tout le monde. Je crois. Non, pas celle-là. Oh, non, la dernière, tu l'as gardée. La dernière, on a tous les deux Snapkeep. Ok, et si jamais les gens veulent jouer cette liste, je la recommande, elle est très bien, faut juste jouer 40 de l'an. Ouais. Et ce Dumri est pas très bien non plus. En fait, j'ai l'impression que tu passes déjà sous les contres. En fait, c'est ça. Surtout que le tour 3, c'est le général. Mm. Le Elmar est mieux que le Dumri. Donc, ouais, Dumri. En vrai, je pense qu'il faut faire moins Dumri, moins Showdown et jouer deux landes de plus. Du rouge et du blanc, de préférence. Donc, et pas des Painland. Ça existe encore dans, dans Magic. Par exemple, le Checkland blanc-rouge à la place du Checkland blanc-vert. C'est quand même beaucoup de Painland. Peut-être remplacer le Painland rouge-vert par le Painland rouge-blanc. Il faut garder ce Grove en fait, parce que c'est bien d'avoir des dégâts. Pas grave de ralentir de 3 ou 4 points de vie son adversaire avec son kill. Le kill, on est censé l'avoir. Il va faire 2 points de vie, ça évite de faire comme ce qui se passe à la 3 où je suis obligé de prendre une sauce de trop qui met trop bas et je peux plus fetcher mes Ravland. Je pense que globalement la liste est pas trop mal. Peut-être trouver un slot pour Sokenzan aussi. Le land de Kamigawa qui met 2-1-1. Il va récupérer aussi de manière assez efficace l'agression. On peut aller chercher ce. Dès que tu m'as volé mon monarque, j'ai pu l'utiliser pour le récupérer. C'est pas trop mal. La liste est vraiment bien. J'aime beaucoup le plan slow en ce moment. Et par rapport à, au fait que tu disais que tu avais déjà quand même pas mal de vitesse, enfin, on l'a vu sur les parties, typiquement, même quand j'ai pu, tu me basais pas à quelques points près, quoi. Genre, c'est pas quelques points près qui comptait, c'était plus le fait que j'ai un moyen de reset la partie, type Wrath, type Timely Reinforcement, plus que, que des points de vie gagnés au fur et à mesure. Bah, la 3 tu la gagnes parce que je paye même mon mana et que du coup je peux pas payer ma. Je peux pas t'empêcher de faire de la value sur mes cartes. Ouais. Si j'arrive à t'empêcher de faire de la value sur mes cartes, je gagne la partie. Je pense. Mais ouais, tu vois ce que je veux dire, je pense que les parties, c'est clairement pas le nombre de points de vie que pas le peu de points de vie que tu aurais pu me donner avec ta grove qui aurait changé l'issue. Non, j'ai facilement. Oh, c'est ça, j'ai facilement. Facilement 6 à 7 dégâts d'attaque dès le tour 3. Mm. Et donc du coup, j'ai une clope de 3 tours. Je peux tuer des points de vie pour la récupérer. Après, je peux tuer les 4 points de vie dans la partie. Donc, ok. Contre aggro, t'as toujours des cartes, que ce soit dans ta command zone ou dans ton deck, qui permettent d'avoir un plan de jeu plus ressourceux. Et des ressources de cartes contre des points de vie donnés. Je pense que je veux bien avoir des ressources de cartes dans cette situation-là. Ouais. Et je suis assez content du coup de l'ajout des deux créatures qui sont un peu mid-game, Palagelleur et Umberwell Captain qui mettent le monarque dans le jeu. Sans ça, la partie aurait été morte beaucoup plus vite. Il y a une Clotis aussi pour manger contrôle d'une autre manière. Je pense que ces trois cartes-là qui pourraient faire penser que le deck est un deck quelqu'un entre deux chaises. C'est vraiment un deck aggro qui a un plan de jeu. Un plan de jeu de secours qui prend 4 à 5 cartes maximum. C'est pas abusif. C'est un plan de secours qui. Enfin, même ça s'insère bien dans tes curves d'aggro qui fonctionnent en fait. C'est ça. Il n'y a pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait des erreurs de casting dans la liste. Enfin, de trop grosses erreurs de casting. Et toi, Domino, sur ta liste, des choses à dire? Moi, de mon côté. Alors tout à l'heure j'ai bien aimé le taunt sur le spell snare. en vrai il y a des le pack comme je le disais au début, c'est un pack qui a quand même des portes, des slots, des cartes qu'on peut interchanger pour s'adapter au méta. Aujourd'hui je pense que jouer le pack tel quel, c'est clairement pas une erreur, c'est une liste avérée. Faite par un joueur qui joue très bien quand même, c'est Thomas Machin qui a buildé la liste. Donc, alors je sais pas s'il a été aidé ou pas, mais il est très capable, le monsieur, ça se ressent. À part ça, pour des adaptations actuellement, il y a une carte qui est à la fois mauvaise et à la fois bonne, que j'aime bien en ce moment, c'est Narset que j'ai envie de jouer. Le problème c'est que c'est vraiment le genre de carte, ça pue quand t'es contre aggro. Au sens où Bah, tu te retrouves avec un drop 3 rituel qui n'a pas d'impact sur le board. C'est lourd. C'est vraiment lourd dans ces match-up-là. Et d'un autre côté, ça aide beaucoup d'autres match-up. Après, sur les Vras, je sais pas si on peut pas en jouer une quatrième, bon, selon les besoins. Notamment une Vras. Alors, peut-être des Vras qui fassent pas que ça. Peut-être jouer une Vras avec du plus dessus. Donc voilà. Ouais, le pack en lui-même, c'est possible d'adapter, c'est surtout ça, je pense qu'il faut retenir. Et après que la decklist telle qu'elle, elle est déjà très très capable. Alors, on dit apparemment Moncana dans le chat qui dit que Sphinx Révélation, c'est un peu trop lent. Ouais. Je pense que ça, c'est clairement acceptable de l'entendre. Moi, c'est une bad card, donc j'ai un avis biaisé d'avance sur la carte. Mais je pense qu'il y a quand même un gros intérêt à la partie gain de points de vie qui permet d'avoir une source qui permet de stabiliser plus tard contre des packs aggro. Une fois qu'on a commencé à réussir à stabiliser, bah, ça permet de gagner de PV, d'être un peu plus confortable. Peut-être qu'il faut jouer plutôt simplement un sort de draw classique. La place, et ça suffit. Néanmoins, je trouve que le gain de PV n'est pas à négliger dans le méta actuel. Je crois que c'est l'idée principale par rapport à la carte. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Martin, par rapport à Sphinx Rêve. Je préfère Sunset Revelry, je pense. D'accord. La carte qui fait Timely Reinforcement, mais en plus souple, et qui fait piocher des cartes parfois. Du coup, c'est pas trop mal. Si on est en retard en point de vie, on gagne 4 points de vie. Si on a moins de créatures, on en gagne 2. Et si on a moins de cartes, on en gagne 1. Et qu'au final, la carte est super souple. Et j'ai l'impression que ça fait quasiment tout ce que tu veux de Sphinx Révélation, mais pour beaucoup moins cher. C'est plus souple pour la suite de la partie. Mais c'est un rituel. Et c'est pas piocher 14 cartes. Oui. Après, 14 cartes, techniquement, si tout va bien, c'est ton général qui te les fait payer. Qui te les fait piocher. Au fur et à mesure. Voilà. Je l'ai vu, sauf qu'en fait, dans ma tête, je m'étais dit, il faut pas, à ce timing-là, je m'étais dit, il faut pas que, pour être bien, j'aurais pas, enfin, faudrait que mes j'aurais probablement pas le temps de recycler. Et si j'ai probablement pas le temps de recycler, c'est que j'ai un terrain qui arrive à une tape. Et donc, du coup, j'ai pris Suncal. Après, c'est peut-être une erreur. Mais dans ma tête, c'était ça. C'était en mode, il faut absolument que j'ai des terrains qui arrivent à une tape, que je pioche une carte active au tour suivant. Et le recyclage, je le voyais pas en tant qu'une option viable à ce moment-là. Et du coup, peut-être une erreur. Puisqu'au final, sur la partie où j'ai fait 10, je crois que j'ai primé de l'ange, j'en ai repioché un derrière, j'ai rien fait sur mon tour 3, après avoir quasiment rien fait sur mon tour 2 d'impactant, du coup. Voilà. C'est probablement une erreur. J'aurais peut-être dû prendre ce terrain qui se recycle. Mais sinon, je connais le tricks. Il est même très plaisant. Et là pour Spigushe du coup, ouais, Fleetfoot Dancer, qu'est-ce que tu penses de la carte? Donc c'est une 4-4 pour 4 avec un mana générique de chaque en Naya, Trample, Lifelink et Célérité du coup. Bah en fait c'est plein de mots-clés, une créature à 4 mana, et à 4 mana je pense que j'aurais préféré un Gorkland Rampager. Qui est une 4-4 Rample pour 4, mais qui a la puissance de se défausser pour un rouge et un vert et donner +4/+4 utilement à une créature. Qui rentre un peu plus dans le plan de jeu aggro. Et Lifelink, c'est pas décisif dans la partie. Et la haste, c'est bien. C'est bien. La haste, c'est pas trop mal, mais pour fatiguer, enfin, c'est toujours compliqué. Bien sûr qu'il y a beaucoup de place dans le deck pour des créatures céléritières qui ne font rien d'autre. Elle crée pas de CA. C'est juste là pour taper et on a déjà tout le deck qui fait ça, donc elle apporte pas grand chose. Et le fait qu'elle ait le lifelink, ça change pas grand chose à cette étape-là, la partie. Je pense pas. Alors l'autre carte qui, je pense que le bot est pas encore actualisé pour ça, donc le parc Heights Pegasus, le Pégase des hauts parcs. Donc c'est la nouvelle de Capenna. C'est une 2-1 vol piétinement qui fait qu'à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, tu pioches une carte si t'as fait arriver sur le champ de bataille deux créatures ce tour-ci, au moins. Ouais, bah elle est bien, mais je la jouerai pas parce qu'il faut jouer ses créatures avant d'attaquer. Pour un blanc et un vert. Et j'aime pas jouer mes créatures avant d'attaquer si elles n'ont pas la célérité. Parce que ça donne des informations à l'adversaire sur comment il va pouvoir adapter ses bloqueurs, adapter son attaque. Et il y a trop de choses qui vont lui donner... Enfin, il va avoir trop d'informations pour ses blocs. Et j'aime pas filer des informations avant les blocs de mon adversaire. Après c'est un goût, enfin c'est une habitude de jeu je pense. Oui, du coup, pour préférer ne pas trop dévoiler à l'adversaire... tes plans de jeu pour pouvoir voir ce qu'il fait et peut-être faire des erreurs du coup. Oui c'est ça, c'est plus intéressant d'avoir un Gorklan Rampager qui va aller filer le Trample et +4/+4 à une créature par surprise que de soit de jouer une créature haste qui donne une full tap pour faire des trucs, soit un Pégase qui nous demande d'attaquer, enfin de jouer avant d'attaquer. Dans tous les cas, l'intérêt dans aggro quand t'attaques, c'est d'avoir des surprises. Et les deux, elles donnent pas de surprises quand t'attaques. Elles expliquent vraiment ce qui va se passer à l'adversaire. Du coup, il a beaucoup d'informations pour faire ses choix. Plus il a d'informations pour faire ses choix, mieux ses choix seront. Et donc, moins c'est bien pour nous. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, du coup, sur cette liste? Toi, ça fait combien de temps que tu l'as... C'est ta liste, hein? Je sais plus si tu l'avais dit au début de du live. Oui, c'est ma liste. Tu la joues depuis un moment, du coup? C'était mes premières games avec. C'était la première game, ok. Mais t'as pas monté la liste la semaine dernière? Elle était montée pour la semaine dernière, donc elle a au moins un mois. Ok. Un petit bout de temps que je l'ai montée. J'ai mise à jour la semaine dernière pour le live, m'a pas fait parce qu'on était tous un peu malades. Et du coup, bah, je l'ai joué cette fois-ci. Est-ce que du coup tu la joueras Est-ce que tu vas la monter en vrai? Il y a des chances. Il y a des chances que je pense un peu plus la liste pour voir jusqu'où elle peut aller. Moi, j'ai pas trop envie de faire des choses compliquées. Enfin, j'ai pas envie de chercher à créer des decks avec une esthétique particulière. J'aime bien jouer aggro, j'aime bien les couleurs. Je pense que je vais bien aimer jouer le deck. Qui te donne du coup deux meilleures options que Saskia. Bah déjà mon deck il y a des changements. La conséquence du tour 4, enfin l'impact du tour 4 sur la partie n'est pas du tout le même. Saskia normalement cherche à clore la partie tour 4. Donc l'adversaire peut se préparer à devoir intervenir tour 4. Il y a un peu moins le cas de celui-là. Il y a moins de couleurs, donc il y a moins de besoin de stabiliser les couleurs. C'est un plus. Par contre, il y a moins de choix, évidemment, vu qu'il y a moins de couleurs. Et puis après, si je regarde rapidement, je suis sur Moxfield, je vais comparer avec la liste de Saskia qu'on avait joué. Je crois que grosso modo, les vraies différences qu'il y a dans les deux listes sont des cartes qui n'existent pas à l'époque. Ok. Ouais, je suis en train de travailler vite fait. Il y a un Cavru que j'ai pas joué parce qu'il y a 3 couleurs, je trouve que c'est pas assez. La Talia à 3, je trouve qu'elle prend pas si bien la place du général dans la curve. Dans les cartes jouables, il y a que celle-là qui était jouable dans les deux decks que j'ai pas prise. Et là, il y a l'ajout du coup de Numberwild Captain qu'on a redécouvert avec lui dans Marath. Avec Les Soundseeker qui est sorti depuis, qui est une très bonne carte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les cartes de Modern Horizon 2 qui n'étaient pas encore finalisées d'être testées. Enfin, il y a des ajouts qui sont plus, oui, qui sont une amélioration stricte de l'aggro et de la pression dans cette liste-là par rapport à la liste de Saskia. Qui du coup peut très facilement être revue et mise à jour et sûrement gagner des nouveaux sous. Ok. Très bien. Je vois pas d'autres questions dans le chat, donc je pense que toutes les réponses ont été données. Merci Domino et Spigushe pour la partie, en tout cas c'était super cool. Du coup on va pouvoir se laisser là et on va pouvoir dire au revoir au chat et à la VOD YouTube. On se retrouvera la semaine prochaine avec toi Spigushe, si je dis pas de bêtises, avec Louis. C'est ça. Match-up qui promet, évidemment, je l'espère. Encore un vol de game que tu en profites dans le chat. C'est vrai, on y a cru, hein. C'est vrai Domino, on y a cru quand même. Sur la fin quand même, est-ce que tu vas arrêter de top decker? Mais non, finalement. Merci en tout cas à vous deux. Des bisous à tous dans le chat. On va vous dire souhaiter une très bonne soirée et on va vous dire à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Bye. Salut.